L'école Bao Port-au-Prince la accueille journée lundi à 4e promotion li qui réunit étudiants finissant en droit, yon promotion qui pote nom Maître Dantès Colinmon. Yon cinquantaine étudiants préparé yo pour exercer profession avocat, après formation y a recevoir dans l'école Bao qui doit ba yo note passage. Dans intervention bâtonnier Lord avocat Maître Carlos Hercule fait dans occasion, li expliquer raison qui fait yo baptiser promotion ça Dantès Colinmon qui était 37e bâtonnier Lord avocat capitale là. Avocat souhaite étudiant finissant yo bay bon exemple, le ap gen pou travay comme professionnel, ak pou yo servi modèle pour l'autre promotion kap vini après yo. Bâtonnier Lord avocat Port-au-Prince la, Maître Carlos Hercule, tenan micro Gaston Joseph. Cet après-midi, nous accueillons la 4e promotion de l'école du barreau, baptisée Dantès Colinmon. Comme Maître Gaston l'a dit, c'est la première fois qu'une promotion de l'école du barreau porte un nom, pas n'importe lequel. Dantès Colinmon fut le 37e bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. C'est sur son bâtonnat qu'a été créé le premier centre de formation professionnelle, aujourd'hui l'école du barreau. C'est pourquoi nous avons décidé à ce que la promotion qui doit porter un nom, que cette promotion porte le nom de Dantès Colinmon. Dantès Colinmon est l'un des rares avocats à marquer de son vivant le barreau de Port-au-Prince. Certainement, à titre posthume, il aura à recevoir l'une des plus hautes distinctions du barreau, qui sera le grade de chevalier. Mais en prélude, nous avons cru bon de faire porter ce nom légendaire à la 4e promotion. Ceci dit, les élèves avocats ont déjà une lourde responsabilité. Celle de se comporter, celle de se voir, celle de travailler à gravir les mêmes échelons que Maître Dantès Colinmon. Je veux dire par là, le barreau attend que vous soyez des modèles de compétences, que vous soyez des avocats très imprégnés de l'éthique et de la déontologie, que vous soyez des modèles pour les promotions qui vont suivre. Pour présenter l'homme, vous avez aujourd'hui comme conférencier un ancien membre du Conseil de l'Ordre, Maître Patrick Willy. Il va vous dire ce que Dantès Colinmon avait réalisé dans sa vie professionnelle, mais aussi la façon qu'il a su tenir le bâton